Bon, du coup, Salmon Run. Et pendant ce temps, le bot va me chasser un truc. Pour ce soir, ça sera des flamieux. Bon, je m'attendais presque à pouvoir jouer en Salmon, là. Aïe. Salmon, la forme des sommets. J'en entends rien tourner, il est là. Et ça a l'air de laguer. Il y a au moins une bonne seconde de décalage entre le moment où je touche un œuf et le moment où le jeu me dit que je l'ai ramassé. Faudrait que je joue plus sérieusement à Splatoon. Là, j'ai l'impression d'avoir ramolli au niveau du niveau. C'est insupportable. Salut Crystal. Ah, le lag est violent sur cette session. Là-bas, il y en a deux. Allez, tous ensemble, messieurs, c'est bien. On y est presque, le week-end demain soir. Ça peut toujours servir d'ancrer ces trucs. Et j'ai l'impression que ces mecs ne savent pas du tout jouer à un extincteur. Je sais que les charges partielles ça peut servir un peu de temps en temps, mais faut pas abuser. Tirez-vous de là, tirez-vous de là. Ce carnassier, c'est bon, il est pas sur nous. Par contre, les dégâts du bassinant en salmon sont vraiment bons. Parce que j'ai le temps de le ramasser. Oui, ça va me buter en plus. Bonsoir, Shed. Merci pour le reste. Ça va avoir pas mal de marmire à dehors, messieurs. Ah,
Ah non. Salut Tan. Je chasse du flamiaou ce soir. J'ai entendu un gob nager. Il est... Ah, il est là. Et on a perdu Rétro. Ouais, le problème Rétro Clock, c'est que t'es un peu loin, mec. Ah, ce lag me gonfle sur les œufs. Non, 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 non. Ramène les œufs, mon petit. Ah bah tiens, tant qu'à faire, on va ramasser ceux-là. Et il devait me manquer, genre, 0,1% d'encre. Et RIP. J'avais pas vu qu'on avait pas assez... d'œufs. Mais ouais, le bot est en train de le chercher là. Tu peux voir sa progression à droite. Pour l'instant, il en est à 27 œufs. Non, toujours pas, je sais toujours pas pourquoi je suis énervé. Enfin, aujourd'hui je suis calme, mais je sais pas pourquoi j'étais énervé hier. Ah merde, j'ai oublié de faire une partie avec Ami. Bon, tant pis. Ouais, si seulement ils prenaient un minimum leur temps de réfléchir et de charger leur tir. Avec leur extincteur, ça serait mieux passé. Après, ça dépend de ton fuseau horaire, Lucas. C'est genre là, ça doit être... Enfin... Il serait quelle heure au Japon, genre? C'est le pays le plus à l'est. Il serait quelle heure là-bas? Merci. Il m'a poussé. Pour une fois que je suis content que ces trucs me poussent. Gob. Ouais, gob. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Depuis tout à l'heure, il est en train de monter et redescendre ce mur. Qu'est-ce qu'il fout? Faire tourner genre un tout petit peu. Oh putain, la torpille qui lui passe pile au-dessus. Oh putain, le gob qui débarque. Thank you.
Tant qu'à faire, on a le quota, on va pas battre un record, donc autant jouer défense. Ah, dégage. Je vais mourir. Bonsoir Nico, hello Jeko. Bonsoir Paul, alors ton bannissement sur 3DS c'est comment? Par contre, ah oui c'est vrai que j'ai un rouleau, je peux faire ça. Et Johnny, un conseil, barre-toi tout de suite. Je donne pas cher de ta peau, mec. Navi? Navi, tu vas te faire... Navi? Oh, boy, elle. Le prochain Thorax qui se pointe, il me bute. Un conseil, aidez-moi. Est-ce que plus long. Bon, c'est pas le dynamo non plus, mais ça le fait. Et j'ai besoin. J'espère qu'ils vont piger la strat et la retenir. Ben voilà, c'est pas compliqué, en plus on avait un rouleau. Ah bah oui, du coup si tu les as copiés, c'est bon, tranquille. Allez, Roman. Bon. Et j'ai raté ma grenade, tiens. Sympa aussi, ça. Et je vais mourir. Tant de tête de pneu et je crois que j'ai vu un marmire à dehors là-bas. Ouais. De pneu est là. Après, s'il continue de lancer ses bombes contre le mur, moi ça m'arrange. Merde! Non, c'est bon, je suis encore bon. Navi, tu tombes à pic. J'avais besoin de toi, mec. Il y a combien d'aérobènes là au juste? Oh bordel. Et merde. On a besoin de 2 œufs. Et... Après, viens pas dire que je t'ai prévenu pour le ban. Putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bon, je vais faire une partie avec Ami. Bon, là par contre, au lieu d'être en colère ce soir, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Ça me gonfle. Thank you.
Ah bah le bot en est à 58 de Flamiao. Par contre, le nombre d'IV à 0 me fait peur là. Je vois beaucoup de trucs à 0. Ok, bon. Ouais, et Paul est sur sa chaise, je sais pas si Tan pourra rejoindre. Shed, je pense pas que tu pourras jouer, peut-être Crystal. Ouais, mais là on avait un autre problème que les aérobènes. C'est on avait beaucoup de choses en rigueur. En plus des aérobènes. Ok, malheureusement, Shed peut pas non plus. Bon. Bon, et en plus, on galère à trouver des parties. Ah, peut-être que... Ah, c'est bon, on va pouvoir jouer. Ah, ça me fait penser, j'ai toujours pas apporté tous mes Drattaks sur Pokémon Home. Ah oui, c'est vrai que ça peut pas être celui-là. Le truc. Celui-là! Je le sens bien. Lind, c'est pas par là. Au moins, ce mec a la bonne idée. Je vois qu'il connaît la strat du dynamo. Aïe. Bon, si on se bouge, il y a moyen de le faire. Ouais, ce serait bien qu'on ramène les œufs quand même. Si on le fait genre tout de suite... Ah c'est bon, on a le compte. Ramasser les œufs, déposer. Merci. Pourtant c'est une marée haute, c'est pas compliqué non plus. Ah je sais pas, moi je trouve que... Ah marée basse. Non, marée moyenne, désolé. Et ouais. Vous allez avoir un léger problème si vous restez ici. Après le stream, j'importerai tous mes Drattaks. Ah, ils ont bloqué mes tirs.
pas pratique de devoir se battre au corps à corps quand t'as plus d'encre avec l'extincteur. Oh bordel. Strato speedrun. Je suis surpris que je sois encore en vie. Salut Clément, ça fait un bail que je t'ai pas vu, tiens. Bon, le bot va bientôt dépasser les 100 œufs, il en est à 82. Et ce mec est coincé contre un mur, ça va mal finir si on va pas le bébé. Ok. J'ai besoin d'une strate speedrun là. Une petite tape dans le dos ou un truc comme ça. Et merde. Et je crois que ça va être le troisième rip. Non, c'est bon. Je m'en fous des œufs, faut qu'on tienne. Merci à vous trois, j'en ai enfin gagné l'une. Oui, mais tu vas avoir du mal à jouer, toi. Bon, le bot, 91. Bon, je continue. Après, va pas y avoir... Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais boucler le salmon. Je vais finir ma sauvegarde sur bouclier. Ou épée. Ou je sais plus. Ou non, Mario Kart, tiens. Faudrait que je voie pour faire une un truc du style... On va dire une interface graphique. Histoire que ce soit un peu plus présentable pour le stream. Plutôt que d'avoir un truc... un invité de commande qui défile. Il n'y a que le flexi qui repeint bien dans... Oups.
On l'a manqué avec la torpille. Et on a perdu un pico. Si, c'est fait oui, déconnecté, tiens. Vas-y, Fairy Tail. Léon, rapproche-toi un peu, s'il te plaît. J'aurais peut-être dû le bloquer ici. Ça va mal finir, ça. Vas-y, Fairy Tail! Je compte sur toi! Bon, par contre, on n'a pas ramassé d'œufs. On a passé la barre des... Après, quitte à parler d'œufs, on n'en a pas ramassé. Et le bot vient de dépasser ça. Bon bah, je crois que Fairy Tail est abandonné. Ouais. Ça ou de l'Octo Expansion, tiens. Ou passer sur Mario Kart tout de suite, peut-être. C'est genre une dernière session en Salmon, puis Mario Kart. Parce que là, j'ai l'impression que les gens galèrent énormément avec cette sélection. Après, c'est juste la plèbe qui n'a pas appris à se servir d'un extincteur. Si tu t'en donnes la peine, l'extincteur te le rendra bien. Marée. Ah oui, ça veut dire que c'est les canons. Ah non, 90% des canons. Non, vaisseau mère. Ouais, en plus il pop à l'autre bout de la map, ces enfoirés. Fais le ménage, sans avoir un peu moins de salmonides à gérer. Là par contre, cette team a l'air compétente. Tiens, pas mal ça. Ah, marée basse à nouveau.
malheureusement, ce crachat n'a pas l'air de vouloir se rapprocher. Il se fait OS dès que la torpille est sortie. Allez, on est bon messieurs. Bon, par contre le mec qui s'est jeté dans la flotte, moyen. Si l'extincteur peut tirer dans ma direction, je lui en serais reconnaissant. Oh putain. Oui, après, comme l'extra sort, tu peux poutrer n'importe quel boss avec. Bon, par contre, électrique, j'ai pas trop confiance en ce qu'il est en train de nous faire là. Électrique! Fais pas le con, mec! Ah, bon. À peine en raise, à peine détruit. Et là, par contre, c'est bel et bien les canons. Donc je suppose que c'est naze, donc je vais aller dans le deuxième. Oh putain. Ah oui, comme ça, il me regarde pas. Je suis rarement dans les canons, donc autant en profiter. Au moins la deuxième a touché. Performante comme je les aime. Je suis à sec, désolé électrique. Et bien joué messieurs. Un plaisir de jouer avec vous. Viser le corps directement. Ah, tu veux dire que quand ils sont en train de gonfler une bombe, ils sont vulnérables sur tout le corps? Ou c'est juste l'explosion de la torpille qui est énorme? Avec le canon, ok. Mario Kart ou pas Mario Kart? C'est vous qui voyez. Sinon, je peux faire des parties privées. Mario Kart, un vote pour Mario Kart.
D'ailleurs, ils étaient quel rang, ce mec? Mario Kart... Ok. S+, A+, et X. Ok. Tiens, d'ailleurs, tes godasses, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, Mario Kart. La vraie question, est-ce que le bot va dépasser Paul sur ce stream? Et Mondi, c'est parti. Non, pas Mario Lart, Mario Kart 8 Deluxe. Et j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de déconnexions sur cette course. C'est pas normal d'avoir autant de bots. Moi non plus, je suis pas en forme, mais je joue à Mario Kart quand même. Sans déconner, il y a 3 bots dans la... 4 bots! 5 bots, même. Pourquoi il a backspam sa verte? Bizarre comme décision. Ah, la fameuse pièce en 1. Est-ce que le 2 va avoir un rouge? Non. Par contre, il se prend une bleue. Et du coup... Ouh, il y a eu un éclair. J'ai toujours vu cette animation de trick de DK comme une sorte... de dame. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire des commentaires. Ah, ça l'a pu rejoindre tout de suite. Paul aussi, tiens. Et un petit passage feuillage. Ouais, mais après, si c'est pour avoir le genre de commentaires que t'avais sur le direct Mario Kart 8, je préfère pas. D'ailleurs, parlons de direct Mario Kart 8. Histoire de ramener ce magnifique doublage voix d'entre les morts. Alors,
sérieux. Kart 8 direct. Mario Kart 8 direct YouTube Poop. Pourquoi pas? Je sais même pas si vous allez entendre quelque chose. Allez, que la médiocrité nous accompagne. Ou un écran noir à la place de la vidéo aussi, c'est bien. Ah merde, j'ai pas vu le départ. Et je me fais spawn dès le premier virage. Bon, difficulté technique côté YouTube apparemment. Alors, par contre, c'est du sang. J'ai l'impression de me traîner. Ok, t'as pas d'arme toi. Ah, j'avais 4 au champi quand même. Non, pas dans le vide. Bon. Mais c'est pas tout ça, c'est un désastre pour moi en ce moment-là. Le jeu adore me filer des champignons sur cette course. Ah tiens, Paul juste devant. Et le mec derrière vient de nous sortir une piranha. Paul ! Putain. Au moment où je mets un boost, il me met son étoile. Là par contre, et je sais pas trop pourquoi je suis quatrième. Ah ah ah, l'arnaque! Yes, l'arnaque a marché. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une YouTube poop à écouter moi. Parce que regardez, c'est compliqué. Le dernier volet de la série Mario Kart est Mario Kart Peggy 3. Ok, j'en ai vu assez. Sans déconner, j'ai dû sortir 15 champignons sur la course. Après, les champignons, j'aime bien. C'est toujours mieux qu'une pièce. Allez, Mario Kart 8 direct français. Et genre... Ah si, c'est bon. Il y a toujours la vidéo. Ah mais c'est la version anglaise du direct. Ouais, c'est très bien les champignons. Ça te permet de prendre des raccourcis et d'esquiver des bleus. J'ai raté la strat fleur. Oh, Christelle. Et t'as une verte en plus. Je sais pas qui t'a buté, mais merci.
Non, putain, j'avais un shroom en un en plus. Le champion aurait été très utile là. Voilà, c'est ce que je voulais faire au premier tour. Et Nick me regarde d'un air menaçant. Ah bah écoute, tant qu'il me pique mes pièces, c'est bon. Par contre, qu'il me pique mes items, genre mes bananes ou mes vertes, là, ça va pas le faire. Ah voilà, comme je le faisais dans Mario Kart 8 normal. Le talent qui me revient. Deuxième bleu. Est-ce que la personne derrière va tenter la violette? Non. Oh putain, sérieux, il avait la triple. Et je tombe dans le vide. Bon, voilà. Ah bah oui, bien sûr, le mec me sort triple rouge et triple champion en deux. Parfaitement normal. Un bilan 3. Tu veux qu'on échange? Moi, le bilan 1, il m'aurait été utile. Et là, je suis en train de voir toutes les miniatures des vidéos Mario Kart. Et... Ah tiens, je viens de voir une... Tu sais, des fois, quand tu passes ton curseur sur les vidéos YouTube, t'as une petite preview de la vidéo. Bah là, j'ai une vidéo Mario Kart 8. Ça montre la Maxcélère. C'est la Formule 1. Et va savoir pourquoi ça passe sur Jean-Marie Le Pen. Je te cache pas que je suis intrigué par cette vidéo. C'est pas comme item que t'as, c'est une banane. Tu vas être obligé de prendre le large. Triple vert devant, rouge de... Enfin, triple rouge derrière, vert devant. Magnifique. Ok, le mec a bidé. Oh, dommage. Bienvenue dans ma dimension. J'ai complètement raté ce que je voulais faire. Ah tiens, salut Nick. Sympa le lac des cas. Ah oui, le mec joue Deka, il s'appelle Deka. Désolé. Pas de dodge de bleu pour toi, hein.
Ouais, on va essayer de passer des KO au talent. Merci au génie qui m'a mis sa banane dans la gueule. Ah tiens, Paul. Non, 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 non. Ah oui, super, comme ça le boomerang me fait perdre encore 2 places. Sérieux, les miniatures de vidéos Mario Kart, c'est une nouvelle dimension. Ah tiens, le bot, il en est où? 191. Ouais, je crois que je vais fermer mon navigateur, sinon je sens que je vais pas dormir de la nuit. Oups. Après, il y avait marqué aussi YouTube Poop à côté. J'ai un message sur Discord. Ah oui, super, comme ça décale une rouge. Premier item. J'ai besoin d'un pigeon pour passer devant. J'en avais besoin de ça. Et le décalage. Ah! Arrêtez de me virer mes rouges. J'en ai besoin. Joli semaine. Si je passe devant Crystal, je suis mort. Ah, pas que. DK a une pièce. Je dis ça, je dis rien, Crystal. En fleur. À moins que ce soit DK qui m'ait sorti la rouge. Ah, première bleue. Et j'ai l'impression qu'il y a un DK qui s'est légèrement loupé sur son raccourci. Ah. Joli kill sur le japonais. Je suis surpris que la bombe t'ait pas buté. Ah oui. Allez, en route vers la victoire! Ah, j'aurais mieux fait de la jeter derrière. Oui, ce teamplay et Grissel ne m'a absolument pas mis des rouges. Enfin. Au moins, on finit top 2. Aléatoire.
Ah, le bot qui a dépassé les 200. Toujours pas de shiny en vue. 150 miroirs sur cette map, qu'est-ce que ça va être violent. Accrochez-vous bien. J'ai intérêt à avancer, sinon Crystal va me mettre une banane dans les dents. Je me rappelle plus du tout de la strat là-dessus. Super large. Ah, arrêtez de me filer des pièces, bordel. Ah merci. Non, ça non merci par contre, le bill qui se pointe. Ah oui, comme ça le mec a 3 champignons hein. Allez. Oh bordel, j'espère qu'il a pas vu ça. Non, c'est bon. Hello tous. Je vais aller chercher mon petit rétro-lisse. Mon bon vieux rétro-lisse. Bon, merci au jeu qui m'a filé deux rouges. Ça, j'apprécie, pour une fois. Ah oui, mon rétro-lisse. Voilà, voilà, voilà. Ah, bordel. Excite bike. Oui, ça je m'en suis rendu compte sur les parties d'avant. Ah oui, une pièce en 1 bien sûr, sur le premier item, pendant que le 2 me sort une rouge bien sûr. Pep avance s'il te plaît. Je vais te donner envie d'utiliser ce shroom moi, tu vas voir. Pourquoi le lui il a des champignons hein? Pourquoi j'ai fait ça?
Ah, merci pour le snipe. Et des cas, bordel. Bon, on est passé de top 2 à bottom 2. Je vais combiner l'étoile au prochain item. Là, je sens que la mort arrive sur moi. C'est ça, une banane, mais je vais lui passer devant. Ni vu ni connu. Voilà. Oh non. Ok, le BK est en galère. Oh, sérieux, Pep. Pep aussi lag, hein. Tiens. Il était bien devant moi, mais la rouge est partie tout droit. Enfin, après, le mec s'appelle Donkey Kong. Il joue des K, donc c'est parfait. C'est juste le Mi qui ressemble pas du tout à DK. Mais sinon, c'est bon. Après Paul, je tiens à rappeler que Masuda est japonais, pas français. Bon, du 150 sur Circuit Mario, ça va bien se passer. Ah, et le japonais a dépassé les 8000 points. Ah bah oui. Ah, j'ai cru qu'elle était pour moi. Arrêtez de nous filer des rouges. Des pièces. Les rouges, c'est le truc que j'aimerais bien avoir. Ah, double banane, merci. Merde. Et je vois Christelle qui démarre dans mon rétro. Première bleue. Et Paul est en deux. Ah, super! Non, ça c'est moins super, je vois une étoile derrière. Et depuis quand tu joues le roi Bou, toi? Allez, viens un peu par ici. Ça c'est bien, mais j'ai peur que les Goombas me ruinent un peu. Allez, approche, viens prendre ta rouge. Oh, sérieux. Ah oui, en plus, j'ai une pièce. Non. Crystal, je suis désolé de t'avoir fait ça. Pas besoin de me mettre ta bombe dans la gueule. J'ai essayé d'être méchant.
Bon, 246 heures, rien à signaler du côté du bot. Après, c'est la loi de Mario Kart, faut être opportuniste. Ou un énorme crevard. Ah, mais je crois que sur Mario Kart, c'est la première fois que je te vois jouer à un perso qui n'est pas Daisy. Ah, j'avais oublié qu'il y avait mon curseur à l'écran. Ah oui, c'est vrai que tu joues Maskass, toi. J'avais oublié. Allez, bon rétro lisse, en avant les histoires. Ou le bide. C'est pas une rouge qui va. Non, mais il a une bombe. Non. L'anguille qui m'a encore ruiné. Merci mec, je m'attendais à ce que tu me la mettes en pleine gueule. Par contre, il a toujours sa banane et ça m'inquiète. Est-ce qu'il va me combiner de rouge? Je sais même pas si ça vaut le coup de faire la technique au niveau de l'anguille. Oh non, la bleue devant la ligne, sérieux! Ah, merci Nick! Il a snipe le Waluigi avec... Enfin, snipe, c'était une rouge, mais il l'a quand même chopé. Enfin, même ça, je trouve la map très très basique. J'aime pas jouer dessus, j'aime pas la regarder. Ouais, tandis que moi, sur ce jeu, c'est surtout le Mi, toujours. Ah, promenade Toad. Thank you.
Après, j'ai pas vu Chi de toute la partie. Donc je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais je pense que ça a dû être horrible. Le bide. Le truc, c'est que si je lui mets ma rouge, il me met la sienne juste après. Ah bordel! Ah, quoique. Je m'emmerde à faire cette strat. C'est pas le bon Waluigi ça. Ça, c'est une rouge. Merde! Vous n'avez rien vu. J'ai clairement pas raté mon coup avec avec mon item. Ok, Deka, qu'est-ce que t'as pour moi? J'espère que je vais pas regretter cette action. Non! Au moins, on est deux à avoir pris une bleue. Je gagne plein de points sur cette session. Ah yes! Big Blue! Ça, c'est le genre de map que je veux voir. Et Yami Wario, comme ça, Crystal est contente aussi. C'est vrai que le bot se rapproche des 300 œufs. Ouais. Je sais pas pourquoi dans South Park ils ont fait, comment dire, tous les Canadiens mais avec une tête en deux parties. Il est pas marrant, c'est le seul qui avait voté pour ça en plus. Moi aussi. J'ai raté mon départ, tiens. Est-ce que c'est une rouge? Bah oui, tiens! C'est mieux en sortir de suite. Ah, je crois que le mec a vidé son combo d'item.
tyrannes derrière. Tiens, il revient à la charge. Tente de faire la même. Et merde. Va-t-il sortir 3 rouges? Oui! La troisième! Oh non, sérieux. Alors toi, je veux pas te louper, mec. Non, j'en avais besoin de ça. Et le mec s'est clairement fait bouffer, là. Bon bah, super, les pièces en... Et je vais dépasser les 7000 points. Prochaine course, normalement. Malheur trompé, tiens. Ok. Et en espérant que le bot va pas trop traîner. Trois personnes qui débarquent, c'est qui? Un petit passage feuillage, pourquoi pas? J'aime bien le fait que tu puisses klaxonner dans le jeu. Mais c'est dommage, tes adversaires t'entendront pas. Bah oui, bien évidemment. J'avais oublié. Un Yoshi, t'as intérêt à avancer. Ou à envoyer ton rouge, c'est bien aussi. Ok, on a Josh et Pep à remonter. Il est sorti sa verre pile au bon moment. Ah, Josh a bidé. Et Pep qui sort pile un klaxon quand il faut. Bah oui, le mec a deux klaxons, tiens. Ah, c'est bon. Il s'est planté.
Et s'il nous sort une double rouge, c'est game over. Oh, en plus, je partirai pas assez loin. Voilà. Ah oui, Pep qui a un triple champion 2. Oh, bordel. Et ça y est, j'ai dépassé 7000 points. En 2 ans de jeu. Là où j'avais ce nombre de points en une semaine de jeu sur la version Wii U. Ah oui, c'est vrai que le bot a dépassé les 300 œufs. Ah bah là, comme ça, je dirais le bot, large. Ça va me faire du bien de commencer en n'ayant pas de pièces. Hein. Un cristal est juste derrière. Qu'est-ce que je l'aime dans ce toit? Pourquoi je le tente? Je sais que ça va mal finir en plus. Un peu trop près de moi, toi. Et je te nerfs. À moins qu'il me faille un kart avec une meilleure axel pour le cœur. Ah, mais que vois-je devant? Une pièce? C'est dommage. Et le choc pile pendant le raccourci. En plus, j'avais un bon angle. Et le Metal Mario me fait très peur là. Voilà, comme ça je prends la Vertovag. Eh bordel, pas assez de maniabilité. Putain, arrêtez de me mettre des éclairs pendant mes raccourcis, bordel! Au moins, j'aurais pas fini dernier. Bon, je crois que le DK s'est déconnecté. Salut, Artillier. Si Flamelyagoo n'est pas shiny, je pense que je ferai ça en stream. Enfin, au moment d'arrêter le stream, je laisserai le bot tourner encore un peu. Et
pièce, c'était une... Ah, d'accord. Donc tu mets des fins de toi. Effectivement, c'est une bonne stratégie. Et je veux plus jamais voir le circuit Excitebike sur ce jeu. J'en ai marre de ce circuit. Donnez-moi de bons circuits comme Big Blue. Ou le circuit Animal Crossing. Ou Stade Wario. Ou Route Arc-en-Ciel SNES. Ou Route Arc-en-Ciel MK8. Comment j'ai fait pour prendre ta banane, toi ? Ah. Je déteste le bruit de Morton. Je déteste sa voix. Ah bah oui, champi simple en 10. En ce temps, t'as des mecs qui te sortent des triples et des 8. Et des rouges aussi. C'est bien aussi les rouges. Et des fleurs de feu. Le toad n'est pas hyper loin. Éclair, éclair, éclair. Pikachu, éclair. Ouais, j'ai pas envie de passer devant Powerful. Maintenant, oui, il a plus sa roue. Ah bah non, il en a une deuxième, dommage. Bon, je vais garder ce simple champi pour cuter. Pas grand chose, mais c'est ce qu'il me faudra pour partir vers la victoire. Voilà, qu'est-ce que je disais ? En deuxième position. Y'a rien, c'est juste un ovale avec quelques rampes et c'est tout. Club Mario. Mais ils auraient dû rapetisser un peu le circuit. Là, le circuit pour moi est beaucoup trop long. Après, vis-à-vis du bot, je tiens à rappeler qu'il a sorti Mimigri en 955 œufs. Donc, on risque pas de voir le Flamiaou Shiny ce soir. Après, il y a le circuit bébé. Oui, Park Baby. Ouais, et aéroport en 200cc si tu veux.
C'est la première fois que je pars aussi loin sur ce virage. Et Crystal est juste derrière moi. S'il te plaît, ne me sors pas, mes rouges. C'est que tu t'accroches en plus, hein. Tu me lâches pas. Oh la boue. Alors, violette ou pas violette? Pas violette. Ce champion me fait peur, là où il est. Merci pour l'éclair. Au moins, ça ira un peu moins vite. Par contre, pas merci pour la pièce. Je pense pas que le jeu va me filer une double pièce. Non. J'ai raté mon trick. Bah, c'est un peu le principe du parc d'hélices. C'est le circuit est tellement court que tu peux très bien te prendre les items du mec derrière comme ceux du mec en... Enfin... Les items du mec en premier comme du dernier. C'est le concept derrière la map. Tandis que le circuit Excite Bike, c'est le même circuit, mais en beaucoup plus long et en beaucoup plus chiant. Ah bah moi ça va être Animal Crossing tout de suite. Je suis pas fan de Mino Wario. Par contre, c'est quoi une violette? C'est une bleue suivie d'une rouge. Parce que bleu plus rouge égale violet. Ah, ça va être le circuit Animal Crossing. Quelle variante? Ah, et Maria qui joue sa première course en ligne, tiens. Et c'est encore la variante hivernale. Je suis pas mécontent. C'est juste que des pneus lisses sur une route gelée, tu tends la perche pour te faire battre. Enfin, par contre, le 150 après du 200. C'est lent, sérieux. On dirait du 50. Je pourrais faire un mini turbo violet ici. Ou rose. Elle est reposante comme map. En plus, avec les aurores boréales derrière, enfin en arrière-plan, magnifique. Ouais, le MT violet te fait partir très large. On va éviter. Ah, par contre, l'orange.
Ouais, t'as une petite ambiance jazz qui est très sympa. Oh, j'entends la bleue. Mais bon, elle aura pas le temps de me buter. C'est vrai que là, la course a été très tranquille pour moi. Et t'as les guirlandes de Noël, les décos, les bonhommes de neige et tout. Enfin, Yetiti. Vu qu'il s'appelle Yetiti. Ah, ça y est, le Flaméou Shiny vient de tomber. 363 œufs. Paul, tu le veux ? Ouais, moi aussi. Je crois que j'ai passé limite autant d'heures sur Splatoon 2 que sur Animal Crossing. New Leaf, pour vous donner un ordre d'idée. Je vois plus trop l'intérêt de mettre le bot. Profitez pour sauvegarder là-bas. Je pense pas, je verrais plus 500 œufs pour le Flamiaou. Ouais, après Animal Crossing, c'est un jeu qui va sur la durée. Donc, c'est à force de construire des projets municipaux que les habitants vont te proposer d'autres trucs. Tu pourras bâtir des trucs genre des fontaines, des cafés, des lampadaires, des ponts. Et magnifique ligne. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est toi le Mario! Je t'ai peut-être accidentellement poussé dessus. Fais ne rien, avance. La verte qui me bute de côté. Je sais pas si c'est artillé ça. Je vois deux étoiles derrière, ça me fait peur. Une bleue. Ah non, artillé il est là. Et je crois que le premier s'est pris un combo bleu plus bombe. Il a dû le sentir passer. Ah tiens, Fenrir. T'as pas assez de verbe dans ta vie toi. Il y a des verts qui arrivent un peu vite. Frappe aérienne. Ça passe pas. Par contre, la boule de feu me bute. Hein. Oh, une bleue. Je prends quoi là, au juste? Allez, l'arnaque, l'arnaque! Yes! Je sauve les meubles au moins. Ouais, enfin après, Pocket Camp, c'est un jeu smartphone. Faut pas t'attendre à une qualité énorme non plus. Et ouais, j'avais testé aussi, mais. Pas du tout accroché. Autant jouer à un vrai Animal Crossing. Parce que Pocket Camp, je vois pas l'intérêt.
Allez, n'oublie pas que sur Animal Crossing, t'as 4 circuits en un. C'est pour ça qu'il faut voter. Alors, si tu demandes vraiment très gentiment, Tan, je veux bien te l'offrir. Mais faut vraiment demander gentiment. Bon, ça sera la prairie même. Bon, dernière course pour moi, et je vais refiler le Flamiaou Shiny. Il va falloir que j'importe tous mes draps d'attaque, mes copains, mes partenaires, tous. Attention, roulement de tambour, rouge dans 3, 2, 1. Bon, techniquement, il y avait une rouge au moment du 3, mais elle n'était pas pour moi. Ça, j'entends un Mario avec une moto. C'est Cristal. Orange. Yes. Arrête de me prendre les pièces sur la map, j'en ai besoin. Et en plus, une distance. J'arrive pas à te rattraper. Oh non, la bombe. Allez. Non, j'ai raté mon coup! Non, bordel! Yes! Heureusement que le boom a piqué la verte. Ça, c'est une arnaque. Une magnifique arnaque. Bon, du coup, Flamiaou, c'est parti. Il faut que je redémarre la console en plus. Voilà, non, il faut que je synchronise ma manette pro. Voilà. Du coup, un petit truc à faire en plus. Je l'admets, j'ai eu beaucoup de bol. C'est franchement énorme. Ah, comme ça, je vais pouvoir démarrer Pokémon. Et dans le dock. Bon, supposant que la Switch est reconnue, bien sûr. Ah, voilà. Bon, les pronostics sont ouverts. Shiny ou pas Shiny ? J'allais dire, je crois que je vais pas sauvegarder en plus. Bon, faites pas attention aux Pokémon qu'il y a.
Il me faudrait un Pokémon avec corps ardent, mais j'ai la flemme. Ou armure magma. Ah, ouais, ça va encore niveau activité de chat. C'est pas le niveau d'activité sur Splatoon 2, mais c'est quand même actif. La Maidy. Ah pas moi, je sais même pas où c'est. Attention. Un joli flamiaou blanc. Gardez ça. Vous avez vu comment il est mignon? Je sais pas. Je vais peut-être faire au taquin, tiens. Histoire d'avoir les trois starters de la 7ème génération. Bon, du coup. De l'autre côté, il faut que je démarre Pokémon. Que je fasse échange. Que j'envoie ça en ligne. Allez, faut que je me bouge. Bon, après, Paul, pour compenser, si tu veux, je te filerai un Mew tombé du camion. Si t'en veux. Tu préfères quoi, une Master Ball ou une capture... Une capsule d'or. Tu veux quoi avec ton flamiaou gratuit? Master Ball, s'il te plaît. Ok. Le temps que le jeu démarre, je vais vous montrer mon musée des horreurs. Bon, enfin, c'est plus vraiment un musée des horreurs vu qu'ils sont dispo officiellement maintenant, mais bon. Ah, et pour les Eternatus. Ils sont shiny. Théoriquement, ils peuvent Gigamax. Mais le jeu ne te laissera pas faire. C'est dommage. C'est bon, le jeu a démarré de l'autre côté. Trouver tout de suite, c'est beau. Est-ce que j'ai encore des trucs à envoyer bazarder de l'autre côté? Oui, j'ai encore du gris malin qui traîne. Ouais, mais les Master Balls, je suis obligé de les faire passer une par une. Et techniquement, ce que je fais, c'est de la triche, donc c'est pas bien. Mais après, je vais peut-être me refaire un Flamiaou, pour moi. Necrozma Shiny. S'il n'a pas été distribué en Shiny, non. Je crois qu'il était Shiny Lock sur Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Autrement dit, c'est mort. Ouais. Mais après, Crystal, t'as vraiment un business là-dessus.
T'as des escrocs sur eBay qui te vendent des Pokémon Shiny avec des stats parfaites, et t'en fous un lot de 10, les mecs te vendent ça 70€. C'est une énorme arnaque. Tu demandes à quelqu'un comme moi, moi je te les fais gratuit. Pas cher mon frère. Ça coule. Du coup, le Flamiaou, est-ce qu'il est là? Yes! Tan, t'es prêt? Ma bonté me perdra. Ok. Et c'est Tan, parfait. Ton Flamiaou, amuse-toi bien. Une sardine. Ouais. Après, pour être en mode full nostalgique, faudrait éteindre la console au bon moment pour avoir des clones. De rien. Froussardine anglais en plus. J'ai pas grand chose d'autre à t'offrir malheureusement, donc je vais arrêter là. Et je vais importer mon armée de Dark Attack sur Pokémon Home. Donc sur ce... Bonne nuit, demain je pense que je finirai ma sauvegarde sur Pokémon épée. Allez, à plus !